Tuli quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Tuli quoi. Ici Lazy Lumps en compagnie de ce bon vieux Flavius et cet air rigolard qui ne jamais délaisse. Qui va nous présenter aujourd'hui un manga. Ça faisait pas mal de temps, Flavius, que t'avais pas parlé de manga. Je lis beaucoup de mangas, mais ces derniers temps j'ai surtout continué mes séries en cours. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup attaqué de nouveautés. Je suis tombé sur ce petit manga qui s'appelle Poison Quotidien. Poison Quotidien d'un auteur que je connais qui s'appelle Minoru Furuya, qui a écrit entre autres les séries que j'ai lues, c'est-à-dire Saltiness et Imizu. C'est un auteur de manga relativement particulier. Il écrit d'une façon souvent dérangeante. Il va loin en fait dans dans la caractérisation des personnages et des scènes qu'il va le représenter. Par exemple, dans Imizu, il lance l'histoire sur le meurtre du père par son fils. Et dans le parricide. Ouais, dans une façon assez dégueulasse en plus. C'est baigné d'étrangeté. Sa manière ses récits sont bizarres, ses personnages le sont encore plus. Et dans Poison Quotidien, finalement, les choses sont peut-être un peu moins cheloues que d'habitude. C'est un peu plus un ado classique, je veux dire, qui se fait bizuter à l'école, enfin au lycée. Et qui, donc il a qu'un pote, ils sont un peu les losers, si vous voulez, sont ceux qui sont un peu marginalisés et qui sont bizutés quotidiennement et raquettés par les gros durs du lycée. Un peu comme Fly dans sa jeunesse, quoi. Peut-être, je ne le connaissais pas à l'époque. Mais... Et donc, lui, le personnage principal, il est passionné par la moto. Il est en train de passer son permis moto un peu en scred. Il travaille dans une petite boutique pour le payer. Et il essaye de se raccrocher à fond à ça pour essayer de survivre dans sa vie vraiment qui est merdique au possible. Et vraiment, on sent un personnage, je pense que ça va être un peu autobiographique, parce qu'on sent un petit peu déjà chez cet auteur, il travaille beaucoup sur des personnages qui ont du mal en société, qui sont très timides, très introvertis. Et là, vraiment, mais ça, c'est à fond ça, quoi. Le personnage principal tombe amoureux d'une nana qu'il rencontre dans ses cours de conduite de moto. Et genre, il tombe éperdument amoureux d'une nana qu'il a juste vue. Et les péripéties font qu'il va finir par la rencontrer, échanger un petit peu avec elle. Et en fait, il se considère vraiment comme une sombre merde. Et pour lui, c'est totalement impossible qu'une fille comme elle veuille même être amie avec lui, quoi. Et on va suivre en fait tous ses questionnements intérieurs. Il se torture vraiment l'esprit. Et si vous voulez, c'est fait de telle manière qu'on sent vraiment que c'est quelque chose qui vient sans doute du vécu, quoi. Il peut pas raconter un truc avec cette patte, avec cette intensité, sans l'avoir vécu lui-même. D'accord. Il y a vraiment plein de questionnements à un moment, mais il tourne en boucle sur ces questions. Non, c'est pas possible. Et puis il revient dessus, il repense à autre chose et tout. Et on le voit se torturer dans sa chambre, à essayer de s'armer de courage pour l'appeler. Ça dure des semaines. Enfin, sentez vraiment le mec. On sent qu'il y a du vécu derrière. Ouais. Alors, j'ai pas lu d'interview de l'auteur me disant qu'effectivement c'est autobiographique et tout, mais je pense qu'il y a mis un peu de lui. D'accord. C'est un petit peu l'histoire aussi de ces vieux garçons, un petit peu, qui sont célibataires et losers. Non, ça va jusque-là, parce que c'est quand même un adolescent qui a 16 ans, donc il est encore en train de faire sa vie, il est tout neuf. Mais il est sur le trajet, quoi. Il est pas bien engagé, quoi. Je veux dire, socialement parlant, c'est compliqué, quoi, pour lui. Il est vraiment très, très, très timide, il regarde ses pieds en permanence. Mais on sent que ces rencontres-là, le fait qu'il fasse de la moto, c'est vraiment le point qui pourrait l'aider un petit peu à émerger dans son existence et à s'affranchir de tous ses tourments intérieurs. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il a un petit frère, et le petit frère est vraiment pas comme lui, il est plus péchu, il est un peu plus réaliste. Et lui, il est étranglé de timidité, c'est terrifiant à voir, quoi. Et donc, du coup, c'est plutôt un seinen. Non, c'est pas du tout un shonen, on va sur du seinen. Ouais, voilà, c'est un seinen, c'est vraiment... Le désespoir, quoi. Le désespoir. J'irai pas jusque-là, parce que quand même, c'est un peu... C'est fun, il y a des moments très rigolos et tout, même si des fois, il se fait vraiment bizuter salement. C'est plutôt positif, pour le moment. Vraiment, cette histoire, je la prends comme ça. À côté de ça, cet auteur, on sent qu'il a quand même envie de raconter des trucs sales. Et les mecs... Qui bizutent, on sent qu'il va leur arriver des trucs. On sent qu'il va leur arriver des trucs, je veux pas trop en dévoiler, mais il se passe des choses, on sent qu'il y a des gens qui leur en veulent et que ça va pas bien se passer tout le temps pour eux. Est-ce qu'il y a quelque chose de fantastique ou on reste sur quelque chose de très concret? Pour le moment, c'est très concret, très réaliste, c'est la vie des étudiants. Un jambon, un morceau de pain, vraiment très concret. Non, parce qu'on est au Japon.
Voilà, donc c'est une galette de riz. Enfin, on va arrêter les trucs racistes de 2 minutes. Non, voilà. Non, après, il y a des choses aussi que j'aime bien avec cet auteur, c'est son dessin. Il a un dessin très particulier. Le mouvement n'est pas toujours très bien rendu, mais par contre, les expressions des personnages, je ne sais pas si on va bien les voir à la caméra. Voilà, les expressions des personnages sont très particulières. Il fait des ouvertures de bouche qui sont parmi les plus incroyables de l'histoire du manga. J'ai rarement vu ça. Et je sais pas. Il y a quelque chose chez cet auteur, moi, qui me fait marrer. Il y a un petit peu de GTO, là, dans le... Peut-être. Mais c'est moins burlesque que GTO. Ouais. Plus réaliste, hein, dans le traitement. Beaucoup plus. Et voilà. Donc, bon, je vous invite à lire ça. Pour le moment, ça part bien. C'est une série qui est prévue en 6 tomes. Et vraiment, c'est agréable à lire, quoi. Ça se lit tout seul. Un petit verdict en 2-3 phrases, mon cher Flavius. Petit verdict en 2-3 phrases, je dirais que Minoru Furuya, c'est un auteur que j'apprécie, dont j'aime bien, enfin, dont je trouve vraiment que les thématiques de réflexion sont pertinentes. J'aime assez son étrangeté, parce que j'aime bien lire des auteurs qui ont certains tourments intérieurs qui sont un peu particuliers. Ah bon ? Oui. Bonne année, Poulpoun ! Voilà, par exemple, Furuya, il va loin dans ses délires et vraiment, j'apprécie. Je sais que c'est un auteur, par contre, alors j'ai employé des terminologies modernes, un peu clivant, on va dire. Je sais que tout le monde n'aimera pas. Celui-ci, par contre, Poison Quotidien, je le trouve plus accessible que, par exemple, Saltiness, le précédent. Saltiness. Voilà, qui était quand même extrêmement barré. J'ai un personnage principal pour s'attacher à lui, il faut se lever de bonne heure. Mais voilà, celui-là il est plus... Bah, ça passe mieux. Donc voilà, c'est sorti chez Akata et ok, wait and see, moi ça me plaît bien. Donc Poison Quotidien, voilà. De Minoru Furuya, donc chez Akata. Voilà. C'est ça. Bah écoute, Flavius, je te remercie pour cet instant manga. Je t'en prie. Merci, non j'insiste. Merci, voilà. Merci de m'avoir invité chez toi. Super, voilà. Super. T'avais de la bière et des crêpes. T'étais venu pour les bières. Des bisous. Des bisous.